Et plop les gens, bienvenue dans Hot Sparks avec nos Pikmin là, transporteurs. Donc la dernière fois, on avait exploré la fin de la forêt et surtout optimisé la production de lames. Et donc là, on va faire le tour des quêtes, les finir, les poser. On va sûrement faire 2-3 allers-retours parce que j'ai oublié un truc ici ou là. Et on verra lesquelles quêtes on continue. Intermédiaire te dévisage, incrédule, pendant que tu lui relates ta lutte contre le carafan. Le regard agité, Yel s'efforce d'envisager les répercussions de ton histoire et finit par te dire Et il faut que j'en parle à la mairesse. Personne dans ce village, pas même toi, ne comprend réellement. oui, un peu plus théâtral, je crois. Ne comprend réellement ce que cela signifie et comment d'autres vont le prendre. Tu as créé quelque chose qui peut fabriquer une armée. Heureusement, ils ne sont pas franchement doués, mais entre de mauvaises mains, ce serait amplement suffisant. Je dois prendre les mesures nécessaires. Tu peux y aller, j'ai des lettres à rédiger. 12 fragments d'éther, et après, c'est ma faute. Et après, c'est ma faute. Quoi? Ah, tu veux 20 lames de bois. Pardon. Je pourrais avoir l'engrais. C'est vraiment ce que je veux. L'intermédiaire réfléchit à une façon d'utiliser la lame en bois que le forestier fabrique. Yel aimerait concevoir une trancheuse ou des sparks travailler la matière organique. Yel a besoin de matériaux pour terminer les plans. Excellent! Les fermiers ont besoin d'engrais et nous allons pouvoir leur en fournir. Cela leur permettra de gagner du temps et avec un peu de chance de produire davantage de nourriture à moindre coût. Tout le monde en tirera des bénéfices. Ok. Le Dimilodog m'a dit que tu avais besoin d'éclats d'éther pour créer les Sparks. Si mes informations sont exactes, il t'arrive de trouver des amas d'éther qui ne te servent pas à grand chose. Mais peut-être qu'ils peuvent être utiles. Je pense que nous pourrions tirer parti de la trancheuse que nous avons construite. Alors, perso, je ne l'ai pas encore construite, mais... Mais effectivement, si un amas d'éther me les divise en fragments d'éther, je peux après les mettre en éther. Accepter, épingler, il lui faut quoi du coup? Il lui faut 3 amas d'éther. Moi, j'en ai pas. J'en ai genre 2. Sachant qu'il y en a un que je veux livrer ici. Madame le maire, c'est mort pour le moment. J'ai de toute façon pas assez d'écorce. Et la pierre, je l'ai posée. Lui, il a l'air content. Fallait fabriquer 45. Oui. Le divinologue note ce que tu lui racontes à propos du fonctionnement de la distillerie. Soudain, il éclate d'un rire presque effrayant. C'est d'une telle simplicité! C'en est presque inexplicable! Nous n'aurons même pas besoin de petites fondations. Cette distillerie peut être placée n'importe où. Et c'est donc une nouvelle d'une telle importance doit être évaluée par d'autres chercheurs. Et donc nous pouvons avoir une distillerie d'éther qui nous... avec la recette affinage de fragments. Oui, Ah ouais, lui, il voulait 80 sparks bricoleurs. Oui. Ça va être compliqué. Terreau, j'en ai pas. Coupant, j'en ai un. Transporteur, j'en ai. S'il te plaît, voilà. Il faut de l'engrais, des bricoleurs et terreau, donc tout ce que j'ai. Sûrement, en tout cas. Ouais, il te faut des sparks terreau 2. De toute façon, j'ai pas, par contre, je peux te donner ça d'avance.
Et là, on a posé nos filtres. Alors, transporter les poutres et les panneaux de bois, c'était la base. Enfin, on peut maintenant déterminer combien de sparks peuvent se trouver sur une même case du chemin. On a un compteur et un sens unique. Ça peut être bien. Le spark souche me fait penser à mon petit frère. Il me suit partout collé à mes basques, comme un spark. Il élève du bétail maintenant. On va construire un enclos à spark. C'est comme un enclos pour un niveau, mais pour les sparks. Il faut livrer 100 poutres, 40 panneaux de bois. Ouais. Heureusement qu'il y avait des poutres là, 40 panneaux de bois, c'est fait. J'ai pas envie de donner ça parce que ça va faire un chiffre pas rond. Euh, 120 moins 40, ça veut dire qu'il en faut 80. 2, 4, 6, 8, voilà. Voilà, voilà, j'ai cette mission là. On a dit qu'on voulait récupérer nos éclats à ma je ne sais quoi. À ma déterre. Il me semble que je vais devoir plus me battre. Ça manque, oui. Alors, on leur a rajouté ici des transporteurs. Je pensais l'avoir fait. Non, je les ai rajoutés ici. Mais il y en a besoin parce que sinon. Parce que de toute façon, on produit suffisamment, mais on les transporte pas assez. Donc le besoin est là. On a dit qu'on avait le compteur. Placé sur un chemin, ce module compte les objets qui passent dans un sens. Et le sens unique placé sur un chemin, ce module ne permet aux sparks de passer que dans la direction indiquée. C'est comme le filtre, mais moins intelligent. Pas comme ça, le sens unique, je vois pas trop son intérêt. C'est plus autant que le filtre. Alors c'est plus clair qu'un filtre, si on veut juste. Si on met un filtre avec rien dedans, quoi. Ouais, donc lui réussit à vider ça, mais eux ne réussissent pas à vider ça assez vite. Mais c'est pas gênant. Tout. C'est ce qui est gênant, c'est que lui il est produit plus vite que ce que les autres font comme trajet. Ça, c'est légèrement gênant. D'ailleurs, moi je vois plein de. Plein de transporteurs. Ah, c'est des pierres et des feuilles maintenant. Ce que je me disais,
Il manque des poutres. Voilà. On est d'accord que oui, c'est un point au niveau des sparks. Parce que les sparks, ceux de base, ils nous coûtent un fragment d'éther, mais les autres, ils nous en coûtent deux sparks de base, donc deux fragments d'éther. Les bricoleurs. Il y a la queue ici, mais lui quand même pas plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On est laissé traîner. Tic tic tac. Le compteur, c'est légèrement curieux du principe du compteur. Je viens de penser que si faire ça un peu voilà. Ah non. Alors j'ai fait ça pour que ceux qui viennent d'ici puissent aussi aller là-bas, sauf que... un petit sens unique. Moi qui me disais qu'il servirait peut-être pas grand chose. Là on a sens unique, vous ne montez que si vous avez l'objet, et juste après on a sens unique, c'est un détour, donc vous n'avez pas besoin de revenir par là. Comme ça, ceux qui vont ici, bah, ils remplissent ici en priorité, c'est quand même ce que je veux. Mais au lieu de faire des allers-retours pour rien, ben on va dire que si vous revenez avec au moins quelque chose, vous pouvez le mettre dans les usines là-haut. Comme ça, vous travaillez au minimum. Je sais pas trop comment améliorer ce truc. Est-ce que je peux mettre ça ici? Il y en a un sur deux qui va à gauche direct, un sur deux qui va à droite direct. Non, ça ne fonctionne pas. Donc faire à la place ça.
qu'est-ce qu'il fout? Ça, ça. Là, tu veux me ramasser la... Non. Attends. Donc là, il y en a un sur deux qui va à gauche, un sur deux qui va à droite. Et ceux qui reviennent de droite peuvent revenir à gauche que s'ils sont vides. On peut même encore mettre une condition, vous ne pouvez revenir vous servir que si là d'où vous venez il n'y a pas de, vous n'avez pas pu poser quoi. Pas mal comme ça. Ça rallonge légèrement le trajet. Maintenant, il y a un petit détour pour récupérer le bois. Alors qu'avant, c'était vraiment sur la route. Et voilà. Lui, il est... Non. J'allais dire une bêtise, je crois. Regarde combien il y a de... Combien il y en a en attente. On a à peu près tout le temps en attente et il y a quand même quelques moments où il n'y en a plus. Sauf que eux, ils peuvent pas produire beaucoup plus vite. Donc de toute façon... on pourrait rajouter des transporteurs. Là, ils sont déjà en train de se baisser deux fois pour... Tout ça pour essayer de produire des épées plus vite alors qu'apparemment le stock est rempli. Bon, on va se calmer. On va se calmer. L'émission. Il nous faut plein de panneaux de bois, ça, ça va. Des pierres. Plein de sparks bricoleurs, oui, 80 sparks bricoleurs. Et on peut faire de l'engrais. C'est vrai, ça. On en avait presque oublié. Donc, la distillerie. Il me semblait, il me manque des... Alors la trancheuse, ça transforme les feuilles en engrais. Pour le moment les feuilles on en a pas une vraie production. On va se mettre là. Alors... Non. C'est ce que je craignais, du coup on va s'éloigner légèrement. On n'a pas non plus masse de...
on va faire ça, ce qui fait que normalement on peut vider ce truc, vu qu'on a besoin des cailloux pour une mission et des feuilles pour l'engrais. Aller chercher les autres feuilles avant de... Avant de me re-remplir les poches. Et je crois qu'on avait besoin de beaucoup d'engrais, non? On a besoin de 40. Plus un terreau, donc 41 quoi. Là on a besoin de 20 sparks terreau, donc si c'est un engrais pour un spark terreau, ça fait 20 de plus. Au moins 60. Ouais. Bon alors, il nous faut 80 poutres. 80 poutres toujours. Poutre et 120 panneaux de bois, 80 poutres, 120 panneaux de bois. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? 79 poutres, comme ça j'en ai pas 80. Donc c'est bon, non. Non, ça devrait être bon. Et 120 panneaux de bois. On a 80-120, donc il me manque 10. Je pourrais mettre des transporteurs quelque part, mais je sais pas trop où. Là et j'en ai plein. Voilà, je pense qu'on peut se téléporter. On va faire notre petit tour habituel. Toi, tu as besoin de ça justement. Et des pierres. L'écorce, c'est pas ça. Des amas des terres. J'ai pas pris les bricoleurs. Toi, tu veux de l'engrais des bricoleurs, ouais. Et des terreaux. Et toi, tu veux des terreaux. Et
toi tu veux des poutres. Ça marche. On ne peut pas mettre beaucoup. On ne peut pas en mettre beaucoup dedans, mais c'est déjà ça. Amuse-toi bien. On a donc un entrepôt à ce parc. Salut. Un entrepôt à ce parc. Je les voyais dans les petites vidéos d'intro. Et je me demande un petit peu à quoi ça sert. Donc, je suis hyper curieux. Une petite construction où déposer tes sparks. Oui, d'accord. Ça coûte quoi déjà? Ça coûte des poutres. On va faire ça là-dessus. C'est pas forcément facile. Mais je veux tester. Donc je teste. Tu en prendras et tu vas me le mettre là-dedans. Et là, du coup, je peux en avoir un stack complet. Oh, j'ai oublié ça encore. C'est vrai qu'il y a les centrés sur le village pour aller plus vite. Compteur de production global débloque le graphe de production, facilitant le suivi de la production, de la consommation et de l'équilibre. Oh, faut que je ramène de l'engrais. Plein d'engrais du coup. De l'écorce et une carapace de scaraphandre. Et voilà, il est du quartz. On va se re-téléporter. Ici par exemple, on n'a pas beaucoup d'autres endroits où se téléporter en extérieur. On n'a pas la recette. Toi tu veux machin. Il faut que je fasse des sparks terreau pour avoir la recette pour faire de l'écorce. À la fois à la fondeuse et à la scierie. Oh non, récolte d'écorce et écorce. Est-ce que ça sera la même chose? Et plantation des terres, oui. Donc là, normalement, j'ai pas fait gaffe, mais on peut avoir. Mince. On peut avoir un lot de sparks souche et un lot de sparks soit bricolage, soit transport qui nous suivent. Voire même un lot de combat. Parlons de ceux de combat. Ils sont où? Ils sont là, non? Non, ça c'est les bricoleurs. Les coupants. Héros. Donc là, ce qu'on veut, c'est d'avoir plein d'engrais. L'engrais. On se débloque comme ça déjà. Oui. Non. Non, il veut pas me dire comment il s'appelle. Je me disais bien qu'il était méchant. Mantsef, serre. Et il est violent. Ouh, on a une barre de PV nous aussi.
Discord, c'est chez vous. Hein. Pas de quoi vous parler. On va te donner des souches, toi. On va te donner des lames. Et bon courage. Est-ce qu'on a besoin de lui en donner plein? Pour le moment, pas tant. De toute façon, on produit pas suffisamment, pas beaucoup de souches. On n'a pas assez d'éther pour produire des souches. Oui, alors cette mission, je m'en fous. Celles-là, elles sont plus intéressantes. Celle-là, je veux 20 Spark 0. C'est pas grand-chose en vrai de rentrer à la base tant que je les ai pas ramenées. Répin sauvage, il donne deux ressources alors que lui n'en donne qu'une. J'ai bien envie de les attaquer, mais bon, j'ai que 4 épées. Une dizaine de. Une dizaine de Spark souches, c'est pas non plus pour le meilleur des combats, je pense. C'est pas mal quand même. Je sais pas c'est quoi le mieux, attaquer un scarafant ou des araignées là. Araignées pain sauvage. Tout à l'heure on avait un manchot calamar, là c'est une pieuvre au quai. Je pense que c'est un perroquet pieuvre, ouais. Il y a des choses dedans. Avec un peu. Lui aussi.
Alors lui, il y a un peu, et mais pas que. J'ai un souvenir comme quoi j'avais posé des feuilles dans un ou des coffres, en train de les redécouvrir. Aussi des souvenirs comme quoi j'avais pas réussi à... J'avais pas réussi à récolter tout ce que je voulais parce que... Parce que j'étais blindé. On arrive à avoir quasiment tous nos stocks pleins, donc on va s'arrêter là. Voilà, on a rempli, on a commencé à remplir le dernier slot. Un peu des feuilles parce que je sais pas comment en produire sinon. Ça, et en fait les deux trucs que j'ai pris, ça m'a ramené que du bois. Mais j'essaie de me faire des buissons pour... Pour avoir des feuilles. Alors on va refaire un tour des différents sparks maintenant qu'on a re un peu de terreau, qu'on a laissé le temps. Aux différentes... Ça donne pas de feuilles, effectivement. Non, éviter les mantères. Je peux faire ça, mais du coup, j'aurais pas... Alors, un spark de plus, épée. Épée, spark, épée, par exemple, coûte 3 cristaux d'éther, quoi. Coûte super cher.
après, ils sont là optimisés pour le combat. Non, si on attaque. Oh, ils sont violents, ils sont hyper violents. On est perdu genre 1. On est perdu genre 1 en attaquant tout ça quoi. Attaquer lui et oh ça nous donne les fameux amas d'été. Ici c'est débloqué. Ah ici ça a pas besoin de spark souche. C'était bloqué par la sortie. Prendre nouvelle. La sortie, on va pouvoir la... l'occuper. D'accord, non, ils produisent 5. Ils produisent 5 par 5. Donc j'avais l'impression qu'ils coûtaient cher en éclat des terres directement, mais non, ils coûtent comme un spark souche. Sauf qu'ils sont produits 5 par 5. Par contre, il faut de l'engrais, quoi. Ouais, le seul intérêt c'est de pouvoir faire ça quoi. Ce qui n'est pas forcément nul quand... Je perds un épée, une épée par... je crois que j'attaque les trucs ici. Un peu cher. J'ai même perdu un souche. Ils sont encore en train de ramener des trucs, mais... Oui. Cher, ici c'est déjà vide. L'entrepôt est vide, mais pas la construction, pas forcément. Non, là, je suis pas là pour les faire non plus. Faire des allers-retours en boucle. Rien.
20 Spark Stero, j'en ai 10 je crois. 19. Du coup il me fallait 20 Spark Stero, 21 Spark Stero minimum. Il en faut un ici. Et c'est tout. Et 40 d'engrais. On pourrait prendre le téléporteur ici, mais il faudrait l'alimenter depuis là ou là, ce qui commence à faire un peu loin. Et je sais qu'il est niveau 2, donc on peut pas encore. Celui-ci, je crois qu'il est niveau 2 aussi. Mais avec lequel, avec celui-ci ou avec celui-là? En bas. Oh. Alors la fendeuse. Comment ça? Si je préfère pour le moment juste comme ça, ça suffira. Déjà, qui est une bonne raison. On en a pas mal, c'est une bonne raison. Et j'ai la moitié qui me fait demi-tour. Ici c'est 5 les groupes, c'est presque 2 groupes égaux. J'ai envie de voir juste là combien ça descend.
crois que c'était déjà à 10, donc il va se remplir petit à petit normalement. Pas y avoir trop de soucis. Le pire, s'il n'est pas alimenté 100% du temps, il sera alimenté une bonne majorité du temps et on pourra toujours remédier. Améliorer sa moyenne de temps de production si on en a besoin. Ça, on a dit qu'on en voulait 20. Je te donnerais bien du terreau, mais. Alors, si j'en envoie un ici, qu'est-ce que ça fait? Il creuse, il se plante. Ah oui, d'accord. Et du bois un peu gratuitement, mais manuellement pour le moment en tout cas. Il faut que je sois là pour dire d'aller récolter pierre, je sais pas combien. Et... 19 au moins. Donc... Ouais, là ça devrait aller. Il faut 40 et j'en ai posé 20, plus de 20 et j'en ai plus de 20 sur moi donc. Je vais avoir de quoi faire. Mais ici j'ai pas de sparks. Je veux dire j'ai les 10 sparks de base que j'ai sur moi, mais j'en ai même plus 10. Je veux une armée. J'assume. Vous êtes les nouveaux. Du coup, je suis pas assez descendu, c'est bien ça. Non.
oublié qu'on pouvait juste déplacer un objet. L'idée, ça peut être utile à quelqu'un d'autre, hein, au moins pour refaire des sparks graines là. C'est possible qu'on en ait besoin juste pour faire des sparkmen. Bon, c'est pas beaucoup, mais donc on y est deux par deux, ça ira bien. De combien de terreau? Alors 40 d'engrais. Hein? 40, 20 spark, 21 spark terreau et plein de bricoleurs. Donc 40, il m'en manque plein. Je veux prendre aussi tous les sparks bricoleurs dont j'ai besoin. Bon, ça sera pas pour tout de suite. Bon, je me débarrasse facilement. Mais déjà, j'ai gagné une place. Hein. En regagnissant automatiquement, je sais même pas comment je peux gagner. Réussissent quand même à remplir à 6 à faire le trajet plus vite que ce que eux réussissent à produire. Parce que justement lui n'arrive pas à avoir ses bûches. Donc là je pourrais fixer le truc en mettant des sparks en transporteur au lieu de cela. Ou alors j'en profite pour dire bah, quand j'ai de l'éther, je peux aussi me débarrasser de mes bûches. Ah.
pas plus mal de pouvoir le faire, même si ça veut dire que de base j'ai une production de souches réduites. L'araignée peint là, avec les yeux jaune fluo. J'ai un lot de 10. Il me faut plus de feuilles, moi. C'est pas très raisonnable de récolter des feuilles comme ça. On va peut-être éviter de s'attaquer aux monstres là. Même s'il est pas si fort que ça. On va pas dire qu'on est notre avantage. Faut que je me vide un peu les poches, mais faut pas non plus quoi entièrement vide de bûches, parce que j'en ai besoin pour produire plein de choses. Mais de l'autre côté, si je cherche des feuilles, forcément je trouve des bûches pour le moment, de ce que je vois. Le truc d'engrais avant de venir. On va regarder ce qu'on trouve ici. Et c'est même pas là que je voulais venir. Non, c'est plus haut. Ça va. J'ai pas perdu la boule. Juste pas aller jusqu'au bout de là où il faut que j'aille. Mm-hmm.
Alors, on devrait arriver, voilà, à l'hôtel des Sparks Coupons. On n'a pas notre 10. On va juste attendre le dernier, là, pour avoir nos 10. Ensuite, on rentre en pose tout. Surtout les feuilles. Ça, on peut commencer à faire l'engrais pendant qu'on pose le reste. Genre, la déterre, on revient prendre les engrais. Et j'espère qu'on en aura assez pour la mission. D'ailleurs, on peut peut-être se téléporter si j'aime pas trop passer par le menu. C'est légèrement plus rapide, mais pas non plus de beaucoup. Ça. Alors déjà, on commence où vous mettez ça. Ça. On fait ça, et là on fait ça, ça. Voilà. Donc là, on aura posé toutes les feuilles qu'on a. Ensuite, ici, on pose tous les clés des terres. On va reposer un peu nos bûches, tant qu'à faire. On aurait pu emmener les éclats des terres directement ici, du coup, vu qu'on avait comme objectif de poser les bûches. Mais c'est trop tard. Et là, soit on repart. Soit on repart. Chercher les feuilles. On a nos 41, on en voulait 40. On a bien nos 20 Sparks Tero. 20. Et qu'il m'en faut au moins un de plus. Ce parterre de buissons. Je suis pas du tout au bon endroit. Parterre, c'est là. Donc on n'a pas de terreau en rab. On va prendre ça. On pourrait attaquer là, mais... se calmer. Ouais. Eux, ils arrivent à faire le tour et à ne pas poser toutes leurs bûches, donc ils sont suffisants.
Ici, on peut ça. On a nos 41 engrais, 29 héros. On fait un petit tour pour poser les missions. Désormais, le gaspillage, c'est terminé. Quel plaisir! Donc la trancheuse peut me permettre de faire des divisions d'avant. Le coffre est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mission avec lui. Je crois que c'est ça. L'écorce, je n'ai pas. Lui, ça va être le relou. J'ai pas pris tous les sparks tricolores. C'est pas grave. Il faut croire que ce n'était pas une idée à la noix, en fin de compte. Là, on va avoir la scierie qui permet avec une ressource recette d'écorce et la fondeuse avec une recette d'écorce aussi. Et l'opalicita. Lui non plus, il a plus de mission. Il y a plus grand monde qui a des missions là. Si on arrive ici, on n'a pas de sparse de quartz. Mais après, on n'a pas trop exploré la truc. Il faut débloquer le niveau 4, ok. De quoi? Ah oui, si. Le jeu, c'est. Sparks, comment il s'appelle déjà? Il a un nom trop long. Hot Sparks, Nadventurus, je sais pas quoi. Mais en gros, j'ai des Pikmin derrière moi. Et ils peuvent construire une usine. Enfin, je construis l'usine et ils travaillent dedans. Simplifié. Mais c'est vraiment ça en plus. Demande surtout le concept. Oui, je me doute. Il y a des gens qui demandent le nom du jeu, tu sais. Des gens qui comprennent pas qu'on peut regarder en haut le titre du jeu. Alors juste pour moi, la prochaine fois, on va rallonger un petit peu la vidéo. On va faire c'était une trancheuse qu'il avait dit. Une trancheuse, non pas à feuilles pour faire de l'engrais, mais à machin pour diviser les amas. Donc il y a le lac de la sauvegarde. On va y pouvoir mettre ça dedans. J'ai plus de sparks de base alors que. Oh! Le stock était rempli. Et du coup, lui, avec un comme ça, il produit 6 comme ça. Ah oui! Ça va aller beaucoup mieux. Donc lui, il me casse les gros cailloux, comme ça, en tranches de cailloux. Lui, il me transforme les tranches de cailloux en cristaux. Et les cristaux sont transformés dans ces petites bêtes-là, les lissouches. Ici. Oui, j'en ai plein. Je commence à rien en avoir, mais je commençais à en avoir pas mal, mais en fait, je
suis dépendant de mon approvisionnement en eau qui n'est pas régulier. On a dit qu'il fallait des sparkleurs aussi. J'en ai combien? J'en ai 0, je crois. Si j'en veux 80, il faut que je prenne tous les slots. Pas de la place pour tous les slots. Il m'en manque 2. Qu'est-ce que je peux poser? Vous êtes blindé, c'est ça, du coup, à force. Qu'est-ce que je peux poser? Si j'avais une autre recette. Ici, par exemple. Qui est de fendre l'écorce. C'est pratique, on va pouvoir mettre ça dedans. Et du coup, nos petits sparks, voilà, ils roulent et ils fabriquent la recette qu'il y a dans le machin. Et oui. Et je pourrais faire ça, mais enfin, j'en ai plus. Je pourrais récolter et aller chercher tout ce qu'il me faut. Et si j'ouvre là... Vous voyez, lui, il me produit directement les écoutes. Donc pour le moment, lui, c'est très bien. Parce que j'ai besoin d'écorce et j'ai besoin de me débarrasser de bûches. Donc ça va le faire. Voilà. Du coup, il y a plein de petites sortes de Pikmin. Il y a ceux-là là, qui ont des bras et du coup qui tapotent, qui travaillent plus vite. Il y a les souches, donc les bricoleurs, les souches. Derrière moi, tu vois les épées, les soldats au final, et les transporteurs. Et les transporteurs, ici, on en voit, ils peuvent transporter 2 objets à la fois, au lieu d'en transporter qu'un seul à la fois. Là, on les voit tous les 4 que j'ai débloqués. Donc les souches ici, les transporteurs là et là, les épées derrière moi et les bricoleurs qui ne travaillent pas parce que j'utilise pas assez d'épées, mais on m'a demandé d'en ramener 80. Donc le but du jeu, je sais pas. On est... Si. Alors dans l'histoire du jeu, moi que je vais me re-téléporter au village. On est chez nous tranquillement, il y a une sorte de météorite métallique qui s'abat sur notre... Comment ça s'appelle? C'était là le 1 de plus. Qui s'abat sur notre cabane au fond du jardin. Et donc on est là et on doit on va parler au divinologue qui est ici et il étudie ce qui lui plaît. Et ils sont où les autres? Là. Il étudie et il nous aide à commencer à développer ces petits monstres et du coup on est le premier à les avoir. Et bah là où je me suis téléporté, juste à côté, du coup je suis un peu le personnage est un peu lié au fragment de météorite et il nous permet de voir l'esprit des machines, en gros des monuments, des hôtels, tout ça. Et ce monument principal là, Il nous a plus ou moins dit qu'il voulait faire une purge de ce qui était mauvais dans le secteur, sauf qu'il n'a pas la force. Donc on améliore notre usine pour produire ce qu'il a besoin. En très gros. Oui, oui, je valide la quête, mais je te disais d'abord tout. Les recettes des nouveaux Sparks sont prêtes. Je suis sûr qu'ils te seront très utiles. Mon préféré des trois, c'est le Sparks Transporter. Je m'en doute, papy, je m'en doute. Donc là, il n'y a plus que la quête de Madame le Maire. Qui
tige. Qui est pas si longue à faire en fait. Parce que. Comme j'allais dire, ça va être long, va falloir récupérer du bois. En fait, on a tout ce bois. Le seul truc qui est long, c'est d'attendre que ce truc-là il travaille. Petite route là, une autre petite route ici que j'ai mal faite. Ici on va mettre ça. Maintenant qu'on a des transporteurs en masse, on va les utiliser. On va dire que c'est de l'écorce. Et du coup, notre dernière mission, c'est celle-ci. Il va nous falloir 80 d'écorce. Donc là, soit j'attends, soit je peux déjà améliorer la vitesse de production en mettant des sparks bricoleurs. Soit j'attends, soit je mets d'autres... ça s'appelle usine Syrie identique côte à côte comme j'ai fait par exemple ici et à d'autres endroits. On va remplir l'inventaire parce que j'ai quand même l'impression que l'écorce elle se crée très rapidement. Lui, il est suffisant pour faire les allers-retours et poser le bois à l'entrée. Par contre, à la sortie, je crois que un n'était pas suffisant. Ouais, il en faut deux. Il en faut un et demi pour ce trajet. Et du coup, la madame le maire nous en a demandé 80. Il travaille comme des dératés, 22,5 par minute. Donc les 80, en fait, 4, 6, 8, on les a. Allez, on va débloquer le prochain âge. Sachant qu'ici... une rangée et du coup faut que je refasse une TP. Il me manque une écorce. Oula. Les sauvegardes juste à la fin du chargement. C'est bien mais c'est pas pratique. Alors ça on va te mettre là. Comme ça on en reprend un slot complet. On se téléporte. On donne à madame le maire. On fait le dialogue et la prochaine fois on se il n'y aura plus du tout de ce qu'on a fait, de ce qu'il reste. Tu ne chopes pas, dis donc. Si tu as oublié ce que je t'ai demandé... Ah non, oui. Merveilleux. J'ai contacté ces deux sœurs qui font leur apprentissage après auprès d'un homme qui habitait ici autrefois. Elles n'ont pas tardé. Les sœurs maçonnes, elles étaient là depuis le début. Et là, on voit tous les points d'exclamation, donc il va falloir reparler à tout le monde. Et elle, on leur a déjà dit bonjour. Donc, bon, après, c'est une early access. Il n'y a encore que les deux premiers biomes. Donc, on explorait la forêt et les montagnes juste à côté. On
pas trop pris le temps de les explorer encore. Mais on n'en a pas eu besoin. Du coup, on va s'arrêter là. On prendra toutes les quêtes la prochaine fois et on pourra faire quoi ? On aura toutes les quêtes. On pourra peut-être aller dans la zone de montagne. Ou alors, il n'y en aura pas encore besoin. On verra en fonction des quêtes. J'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. 1h30, c'est vrai que c'est un peu long. Désolé.